Bonsoir à tous. Je suis Jean Mizuti, je suis développeur Java. Je suis consultant pour la société Arola et je développe aussi une librairie Java qui s'appelle QuickPerf et qui va permettre de tester facilement des propriétés de performance de notre code. Ce soir, je vous propose d'explorer la mémoire de la JVM. En Java, nous allouons des objets, nous faisons des new. Et nous avons à disposition un service bien pratique, le Garbage Collector, qui va supprimer automatiquement les objets qui ne sont plus référencés. Ce service est bien pratique. Toutefois, à certaines fois, ça ne se passe pas très bien. Java Lang Out of Memory Error. Qui a déjà eu cette erreur? Vous êtes au bon endroit ce soir. Nous allons voir comment comprendre l'origine de ce type d'erreur et mieux maîtriser la mémoire utilisée par notre JVM. La soirée va se dérouler. La présentation est en deux parties. Tout d'abord, nous allons voir les différents types de mémoire que peut utiliser notre JVM. Et pour chacune d'entre elles, nous allons voir les principaux types de dysfonctionnement. Ensuite, nous allons ensemble voir des outils pour diagnostiquer des soucis mémoire dans la JVM. Je vais vous proposer de mener une enquête pour investiguer les soucis de mémoire d'une petite application. Commençons par la première partie, où nous allons explorer les différents types de mémoire utilisables dans la JVM. Et pour chacune d'entre elles, nous allons voir plusieurs dysfonctionnements. Tout d'abord, la mémoire la plus connue, la heap. Donc cette mémoire contient les objets que nous créons par des new. Les objets qui ne sont plus référencés ici, sont éligibles au garbage collector. Ce sont des objets qui ne sont référencés par aucune route. Différents types d'out of memory peuvent avoir lieu dans la heap. La plus courante est Java Espace, quand notre heap est rempli. Nous avons un deuxième type d'out of memory error possible dans la heap, GC Overhead Limit Exceeded. En gros, la JVM va essayer de faire des GC, et au bout d'un certain temps, elle va s'arrêter. L'idée, c'est d'échouer le plus tôt. Au bout d'un moment, la JVM va estimer que ça ne sert à rien de continuer à faire des GC. Alors, il y a une règle plus précise. La JVM va essayer de faire des GC, et si elle passe 98% du temps à faire du GC et qu'elle libère moins 2% de la mémoire, elle essaie de faire ça 5 fois, et si elle n'y arrive pas, elle va lever un out of memory error. Il y a un troisième type d'out of memory error concernant la heap, le request array size exceed them limit, qui peut arriver dans deux cas. Le premier, c'est quand on essaie d'allouer un array qui est plus grand que la taille de la heap. Le deuxième cas, c'est quand on essaie de créer un array qui dépasse la valeur integer max value moins 2. En gros, c'est 2 milliards. Dans certains cas, nous avons des objets qui restent involontairement en mémoire. C'est ce qu'on appelle des memory leaks, des fuites mémoire. Je propose de vous présenter quelques anti-patterns de fuites mémoire.
D'abord, quand nous avons des collections ou des maps statiques que nous ne vidons pas programmatiquement. Un deuxième cas, c'est quand on a une mauvaise implémentation du contrat equals hashcode. Imaginons que nous ayons deux objets qui sont égaux au sens de la méthode equals, mais que la méthode hashcode n'a pas été overridée. Du coup, ces objets n'auront pas le même hashcode. Par conséquent, si on pense mettre à jour une entrée de la map, en fait, si ils n'ont pas le même hashcode, on va rajouter une entrée. Un troisième cas concerne les threads locaux. Un thread local permet d'associer un état à un thread. Dans nos serveurs d'application, nous avons un pool de threads. Du coup, si vous avez des threads locaux qui ont un état qui occupe un volume important en mémoire et que vous ne le clinez pas, vous pouvez avoir une fuite mémoire. Un autre cas concerne les ressources qui ne sont pas bien fermées. Or, ce cas, il est limité depuis Java 7 avec le try with resources qui permet de fermer automatiquement tous les objets qui implémentent AutoClosable. Maintenant, je vous propose de vous présenter de manière assez synthétique les différents types de garbage collector. J'ai fait une première catégorie qui concerne les garbage collectors que je classifie de classiques. Dans ces garbage collectors, nous avons le parallèle GC, aussi appelé throughput. Nous allons voir en détail le fonctionnement. Dans les garbage collectors classiques, sont basés sur une hypothèse générationnelle. On fait l'hypothèse, on fait le pari que la plupart des objets alloués en mémoire en auront une durée de vie courte. Ainsi, on subdivise la heap en young gen et en old gen. Dans la young gen, on aura les objets de vie courte et les objets de durée de vie plus longue vont se retrouver dans la old gen. La young gen est elle-même divisée en différents espaces, l'Eden et deux espaces Survivor. Quand un GC mineur intervient, il va vider l'Eden. Certains objets vont se retrouver dans les espaces Survivor et d'autres dans la old gen. Un full GC va intervenir quand la young gen est pleine. Quand l'Eden est pleine, excusez-moi. Il va vider entièrement la young gen et les seuls objets qui vont rester sont des objets de la old gen qui correspondent à des objets qui sont encore référencés. Le garbage collector serial a le même fonctionnement que le parallèle GC, sauf qu'il utilise un seul thread. Dans le parallèle GC, plusieurs threads sont utilisés pour vider la young gen et la old gen. Il y a un troisième type de garbage collector, le garbage collector CMS. Il s'agit d'un garbage collector concurrent. Ça veut dire qu'il va s'exécuter en même temps que vos traitements applicatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de ce garbage collector. Il y a différentes étapes qui définissent les cycles de vie de ce garbage collector. Dans le JDK 7, un nouveau garbage collector, le garbage collector J1, pouvait être activé. Dans le JDK 7, il était suggéré d'utiliser le J1 pour des heaps supérieurs à 4 gigaoctets. Le J1 a été amélioré
dans le JDK 8 et le JDK 9. L'idée, c'est d'avoir un garbage collector couteau suisse qui va gérer au mieux tous les cas. J1, c'est pour garbage first. L'idée est d'éviter au mieux de faire des full GC. Dans le J1, votre heap va être divisé en plusieurs espaces Eden, plusieurs espaces Survivor et plusieurs espaces Olgen. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du J1 ce soir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous référer à cette très bonne présentation de Monica Beckwith et à ce livre, Java Performance Companion, dont la moitié est consacrée au J1. La deuxième partie est consacrée à JHSDB, un debugger de la JVM, que j'évoquerai par la suite. Ce livre, c'est le complément de Java Performance, The Definitive Guide. Si vous voulez, je ne vais pas rentrer en détail pour optimiser les différents garbage collectors classiques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous référer à cette présentation de Monica Beckwith. La société Azut Systems propose un garbage collector commercial. Un garbage collector pour sa JVL commerciale. Le garbage collector C4 pour Continuous Concurrent Compacting Collector. C'est un garbage collector qui est prévu pour avoir de faibles temps de pause pour des JVM jusqu'à 8 TB. Actuellement, il y a d'autres garbage collectors qui sont en cours de développement pour gérer des JVM de plusieurs TB. Vous avez le garbage collector Shenandoah et le garbage collector ZGC. Le ZGC, c'est un garbage collector qui a été développé à l'origine en interne en Oracle, chez Oracle, et qui était open sourcé il y a peu. Shenandoah est aussi open source. Si vous êtes intéressé pour voir comment fonctionnent ces nouveaux garbage collectors, vous pouvez vous référer à cette présentation qui a lieu il y a quelques jours, à JFocus 2018, d'Alexis Chipilev pour le garbage collector Shenandoah. Si vous voulez suivre l'évolution, il faut aussi regarder la mailing list et le compte Twitter d'Alexis Chipilev. Pour le garbage collector ZGC, vous avez aussi une présentation à JFocus il y a quelques jours et vous pouvez vous abonner à la mailing list. Le garbage collector ZGC aurait une architecture assez similaire au garbage collector de la société Azut Systems. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous référer à ce message sur la mailing list du ZGC. C'est un message de Gilles Tenet qui travaille chez Azut Systems. Il y a un autre type de garbage collector que j'ai classifié de prototype. Il est en cours de développement. L'idée de ce garbage collector, c'est ne pas avoir de GC. En fait, c'est de laisser les objets en mémoire. Du coup, si vous remplissez votre heap, au bout d'un moment, vous allez avoir out of memory error, Java Space. Alors, pourquoi ce garbage collector? Ce garbage collector peut être utile si vous voulez estimer la performance de votre système en l'absence de GC. Donc il est en cours de développement et Alexis Chipilev y contribue énormément. Dans la JVM, les stacks ne sont pas stockés dans la heap. Elles sont stockées dans une zone mémoire dédiée. Si vous créez une multitude de threads dans votre JVM, au bout d'un moment, vous pouvez avoir ce message Javalang out of memory error, unable to create new native thread. Concernant la stack, on n'a plus usuellement l'habitude de voir des stack overflow errors. Lorsque notre traitement dépasse la taille de la pile. Alors là, je vous présente plusieurs erreurs
Ne vous inquiétez pas, nous allons voir au cours de la présentation comment les investiguer. Dans notre JVM, nous avions un espace PermJam. Cet espace permettait de stocker le pool de string dans la JVM. Dans la JVM, il y a un pool de string qui permet d'éviter certaines instanciations de string. Quand vous déclarez une string entre double quotes, elle est mise dans le pool de string. Si vous la redéclarez, elle sera reprise du pool de string. Quand vous faites un new string, la string est instanciée en dehors de ce pool. Et vous pouvez mettre cette string dans le pool en invoquant la méthode interne. Cet espace mémoire permettait aussi de stocker les représentations internes des classes et les métadonnées associées. Alors, j'ai utilisé l'imparfait parce que dans le JDK 7, le pool de string a été déplacé dans l'hype. Du coup, si vous migrez votre application de Java 6 à Java 7, la taille de l'hype, l'occupation mémoire de l'hype peut augmenter. Dans le JDK 8, la représentation interne des classes et de leurs métadonnées ont été migrées dans un nouvel espace mémoire, le metaspace. En fait, dans le JDK 8, l'espace PermJam a été supprimé. Du coup, depuis le JDK 8, la représentation interne des classes et des métadonnées associées sont stockées dans un espace metaspace. Il est aussi possible d'allouer des objets en dehors de la heap, d'allouer des données en dehors de la heap. Vous pouvez le faire en utilisant, par exemple, un bybuffer, en invoquant la méthode allocate direct. Dans ce cas, les données seront stockées dans l'espace qu'on appelle off heap. Ce principe est utilisé dans des caches, par exemple EHCache, où vous pouvez préciser une portion de stockage off heap. Cet espace mémoire est utilisé dans un cubeolap en mémoire, ActivePivot. Alors pourquoi stocker des données en dehors de la heap? Si on prend l'exemple d'un cache, nous avons des données qui peuvent avoir une durée de vie longue. Du coup, si on laisse dans la heap, à chaque fois qu'un full GC va s'exécuter, il va scanner toute cette grappe d'objets. Les full GC sont aussi plus longs. L'idée de la off heap, c'est de mettre ces objets de durée de vie longue en dehors de la heap, pour éviter de prendre du CPU et prendre du temps à faire des full GC. Cet espace mémoire est bien adapté pour des types primitifs, car nous stockons des bytes. Si nous pouvons aussi stocker des objets qu'il va falloir désérialiser, alors dans ce cas, il est vivement conseillé de ne pas utiliser la sérialisation de Java par défaut, qui est assez coûteuse, car elle va gérer pas mal de cas, notamment la version des classes. Il est conseillé d'utiliser un serializer spécialisé, plus simple, plus performant. Il est aussi possible d'allouer certaines portions d'un fichier en mémoire, en dehors de la heap, avec un map by buffer. L'idée est d'avoir certaines portions d'un fichier en mémoire pour avoir une écriture, une lecture plus rapide par rapport à un stockage sur disque. Dans la JVM, vous avez un code cache qui permet de stocker le code qui est exécuté. Quand une méthode est souvent appelée, la JVM va essayer de la rendre plus performante.
Il peut arriver que votre code cache soit plein. Dans ce cas-là, il y a un mécanisme d'urgence qui va être déclenché pour vider le code cache par le code cache sweeper. Dans ce cas-là, on va perdre toutes les optimisations de méthode et le code va être un peu plus lent, enfin un peu de temps pour retrouver nos optimisations. Maintenant que nous avons vu les principaux types de mémoire disponibles dans notre JVM et certains types d'erreurs, nous allons voir comment diagnostiquer des soucis de mémoire dans nos applications. Je vais vous inviter à rentrer dans une histoire qui a pu nous arriver dans votre vie de développeur. Ici, je vais vous présenter William. William est à la tête d'une société qui développe des produits innovants en finance, notamment un produit qui permet d'analyser en temps réel des trades. Alors William, il est un petit peu préoccupé en ce moment. En effet, la nouvelle version du produit comporte un calcul de moyenne mobile qui semble poser quelques soucis à notre application. En effet, depuis l'introduction de cette fonctionnalité, on a observé plusieurs out of memory errors et l'application semble plus lente. Comment pouvons-nous aider William? Tout d'abord, nous allons nous intéresser à ce qu'est fonctionnellement un calcul de moyenne mobile. Un calcul de moyenne mobile, ça permet de moyenner plusieurs éléments sur une taille de fenêtre W. Ici, nous allons faire un calcul de moyenne mobile sur des montants de trades. Au niveau de notre code, on a un objet calculateur moyenne mobile, qui est une méthode consume, qui permet de récupérer les trades des marchés fi financiers, excusez-moi, et une méthode calculer moyenne mobile qui permet de calculer la moyenne mobile pour un type d'instrument donné. Un instrument, c'est une propriété de l'objet trade. On a un souci de performance, comment s'y prendre? Tout d'abord, nous allons essayer de mesurer la performance. En termes de mémoire, qu'est-ce que peut être mesurer la performance? Par exemple, ça peut être mesurer le temps de GC global. Ça peut être mesurer le nombre de GC. Ça peut être mesurer le temps du GC le plus long. Une fois que nous avons mesuré la performance, nous avons essayer de comprendre pourquoi nous avons ce niveau de performance. Pour cela, nous allons faire des mesures d'investigation. Jusqu'au moment où nous allons comprendre pourquoi nous avons cette performance. Ensuite, nous allons faire un changement. Et nous allons remesurer la performance pour voir si nous avons le niveau de performance attendu. Du coup, on va commencer notre enquête. Avant cela, on va paramétrer notre JVM. Nous allons spécifier une taille de heap en utilisant le paramètre -xms, qui est la taille minimum et initiale de la heap, et le paramètre XMX, qui est la taille maximale que pourra occuper la heap en mémoire. Nous allons aussi activer les logs du GC. Les logs du GC sont très peu coûteux pour la JVM. Pour les activer, nous avons rajouté les paramètres print GC details et print GC deadstumps. Plus un troisième paramètre qui va permettre d'enregistrer
les logs du GC dans un fichier. Alors attention, si vous utilisez un JRE9, ces paramètres ne fonctionnent plus. Ils peuvent même empêcher votre JVM de démarrer. L'équivalent des trois paramètres précédents est celui-ci. Alors, qui utilise un JRE9? Ah, une personne, Jean-Michel Doudou. Vu qu'il n'y a qu'une personne, nous allons lancer notre application avec un JRE8. Nous n'avons pas spécifié de garbage collector. Du coup, nous allons avoir le paramètre, le garbage collector par défaut, qui sera un parallèle GC pour une JVM 64 bits dans un environnement multicœur. On lance notre JVM. On active la méthode consume, qui récupère les trades des marchés financiers. Ensuite, nous avons dit qu'il fallait mesurer. Alors, nous pouvons commencer à faire des mesures avec JVisualVM, qui est un outil du JDK. Vous en avez d'autres qui sont dans le JDK, JConsole ou Java Emission Control. Alors, JVisualVM a été supprimé du JDK 9. Mais vous pouvez le télécharger sur GitHub. JConsole et JMC, JVM sous contrôle, ont des fonctionnalités assez proches. Du coup, on se connecte à notre application via JMX avec JVisualVM. Sur votre gauche, vous avez l'évolution d'une Evo 2 heap en fonction du temps. Nous voyons que la heap que le niveau de heap augmente assez rapidement. On a des petits pics, puis ensuite le niveau se stabilise. Sur votre droite, vous avez le niveau d'utilisation du CPU en fonction du temps. On voit que le CPU est utilisé entre 30 et 70%, qui sont beaucoup pour récupérer les trades des marchés financiers. Nous avons activé les logs du GC. Regardons ce qu'il y a dans ce fichier. Ici, je vais vous présenter un extrait. On peut voir qu'on a des GC allocation failure qui correspondent à des GC mineurs. On a aussi des full GC. On a aussi plein de nombres. Ça semble un peu compliqué à interpréter. Il serait bien si nous pouvons avoir un outil. C'est compliqué à interpréter. Ce serait bien si nous pouvons avoir un outil qui permette de visualiser les logs GC et avoir des informations synthétiques. Ce soir, je vais vous présenter un analyseur de logs GC. GC Viewer. Il est open source, vous pouvez le récupérer sur GitHub. On a chargé nos logs du GC dans le GC Viewer. Sur votre gauche, vous avez un onglet pause. Vous avez le montant de pause total. Ici, à peu près 3100 secondes. On a laissé tourner l'application pendant 1 heure. Ce temps de pause est décomposé sous 75% de full GC et de 25% de GC mineur. On peut aussi avoir le nombre de GC. Ici, on a environ 11 000 full GC et 180 000 GC mineur. Nous avons aussi, dans l'onglet synthèse, une information qui va être importante. La notion de throughput. Le throughput, c'est le temps passé par l'application en dehors des GC. Ici,
nous avons un front pôt de 13%. C'est-à-dire que nous passons que 13% du temps à faire des traitements applicatifs. Nous pouvons aussi, dans le GC Viewer, visualiser excusez-moi, les informations du log du GC de manière graphique. Ici, nous avons représenté le niveau d'occupation de la Holgen en fonction du temps. Nous voyons que la Holgen se remplit rapidement et qu'ensuite elle reste à un niveau quasiment totalement rempli. Ce qui peut expliquer les 75% du temps à faire du full GC. Le garbage collector essaie de vider la Holgen. Alors, je vous ai présenté GC Viewer. Vous avez d'autres applications qui permettent d'analyser les logs du GC. Vous avez SendSum, qui est un outil payant. SendSum vous donne des recommandations suite à l'analyse de vos logs du GC. On va par exemple vous dire, ce serait bien de regarder dans votre code. Ou sinon, il va vous proposer des optimisations pour votre garbage collector. Vous avez aussi GC Easy, qui propose aussi des optimisations et qui vous permet de mettre sur votre, de mettre, de déposer sur leur site votre fichier de log et il vous fournit une analyse. Que fait-on quand on a oublié d'activer les logs du garbage collector? Personnellement, plusieurs fois, j'ai déjà rejoint des équipes qui n'avaient pas activé les logs du garbage collector en production. Alors, pas de panique. Si vous utilisez un JDK 9, si vous allez pouvoir l'activer à l'aide d'une ligne de commande. Vous allez activer à chaud les logs du GC. J'ai testé, ça marche vraiment. Pour le faire, vous pouvez utiliser la commande JCMD avec le PID. Le PID, c'est l'identifiant du process Java. Je vais tout de suite vous expliquer comment le récupérer. Donc, comment utiliser la commande JCMD plus un vm.log et d'autres paramètres. Pour lister vos process Java, vous pouvez utiliser la commande JPS du JDK. Et depuis JDK 8, vous pouvez aussi utiliser la commande JCMD. Si on exécute la commande JPS, nous obtenons l'ensemble des process Java disponibles sur notre machine. Ce process concerne notre application. On a le PID 14608. Maintenant, nous pouvons utiliser la commande jstat-jcutil avec le PID pour avoir des informations sur la heap et les GC. Si on exécute cette commande, nous obtenons ce tableau. Vous pouvez rajouter un paramètre pour dire que vous voulez exécuter cette commande tous les 30 secondes. On a une partie de ce tableau qui nous donne l'occupation des différents espaces mémoire de notre heap. Nous voyons que notre Holgen est bien rempli. Vous pouvez aussi avoir le nombre de GC mineurs, ainsi que le nombre de full GC. Vous pouvez obtenir le temps passé à faire des GC, les sous-composantes en GC majeur et en GC mineur.
Du coup, le résultat, c'est qu'on a bien rempli notre Holgen. D'où viennent ces objets? Ça serait bien d'avoir un moyen de voir les objets qui sont dans notre heap. La plupart du temps, on ne se pose pas trop de questions, on augmente la taille de la heap. Pour cela, on augmente la valeur du paramètre XMX. Alors, on peut temporairement avoir moins de full GC. Par contre, vos full GC vont durer plus longtemps. Si vous continuez à augmenter la taille de la heap, vos full GC peuvent durer très longtemps. Au bout d'un moment, on peut venir vous voir comme quoi il ne faut plus rajouter de mémoire à votre JVM en production. Ici, nous allons essayer de comprendre d'où viennent nos objets dans la Holgen. Alors, quelle question peut-on se poser? Quels sont nos objets présents dans l'heap? On va demander à la JVM. Sensum, il préconise un throughput de 95%. Donc, si c'est en dessous de 95%, il est recommandé d'investiguer. Alors, je n'ai pas de réponse comme ça. Ça dépend du garbage collector aussi. Ça dépend des requirements fonctionnels. Alors, tout dépend de, selon la taille de la heap, vous utilisez un garbage collector différent. Ensuite, tout dépend de vos exigences fonctionnelles. Est-ce que vous, si vous êtes dans le cas d'une appli transactionnelle, vous avez plutôt le tendance à vouloir des GC de durée de vie, des GC qui vont durer pas longtemps, mais qui peuvent avoir lieu souvent. Si on est le cas dans le cas d'un batch, on veut plutôt optimiser l'utilisation du CPU. Du coup, ça dépend des cas. Il n'y a pas de. Concernant la taille de la heap, il faut adapter le GC à la taille de la heap. Du coup, aujourd'hui, si votre heap dépasse 4 Go, il est recommandé d'utiliser le J1. Si vous avez la JM d'Azul, vous pouvez utiliser leur garbage collector. Et plus tard, vous pouvez utiliser les garbage collectors de large heap chez Nadawa ou ZGC. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord. On pourra peut-être en rediscuter à la pause. Du coup, nous voulons savoir les objets qui sont présents dans notre heap. Pour cela, nous pouvons demander à notre JVM l'histogramme des objets présents dans l'heap. Nous pouvons faire de différentes manières. Avec la commande jmapisto, depuis le JDK 8, il faut aussi utiliser la commande jsmd. Et dans le JDK 9, il y a une troisième manière de faire. Il faut utiliser la commande jhsdb, qui est un debugger pour la JVM. Du coup, on va demander à notre JVM l'histogramme des objets de l'heap. Je vais passer du temps à détailler l'histogramme pour que plus tard, vous puissiez vous-même l'interpréter. Sur la gauche, vous avez le nom des classes. Alors, si on regarde plus précisément, nous avons deux noms bizarres.
Crochet L, javalang object, point virgule. Crochet C. Qu'est-ce que ça veut dire? Crochet, ça indique un arrêt. L, point virgule, et un nom de classe entre les deux correspond à l'instance d'une classe. Du coup, crochet L, javalangobject, point virgule, ça correspond à un tableau d'objets. Grand C correspond à un char. Du coup, crochet C va correspondre à un tableau de char. Ce que je viens de vous présenter est dans les specs de la JVM au niveau des fils descripteurs. Je vous en ai présenté trois, mais vous en avez d'autres. Par exemple, la lettre grand J correspond à un long. Maintenant, nous savons lire la colonne ClassName. Nous avons une colonne byte qui représente l'occupation en mémoire de chaque type d'objet. Et dans l'histogramme, les objets sont classés en occupation mémoire décroissante. C'est pour ça que vous avez une colonne num tout à droite. Dans l'histogramme des objets, vous avez aussi accès au nombre d'instances pour chaque type d'objet. Maintenant, nous savons décrypter l'histogramme des objets de l'heap. Nous pouvons voir qu'il y a trois types d'objets qui se détachent. Des objets money, des objets trade et des tableaux d'objets. On peut voir qu'on a le même nom d'instance d'objets money et d'objets trade. 1 million, environ 1 240 000. Alors dans notre code, le trade comporte une propriété money. Du coup, on peut se dire que tous les objets money proviennent d'objets trade dans notre cas. La propriété money du trade contient le montant du trade, le montant sur lequel nous voulons faire la moyenne mobile. On voit des objets money, des objets trade, des tableaux d'objets. Par contre, quand je vois le code, je ne comprends pas d'où ils viennent. Comment faire? Mon code fait quelques lignes. Il faut avoir une application qui a un existant, qui a de nombreuses lignes de code. Au lieu de parcourir tout le code applicatif pour essayer de faire des hypothèses, on va essayer d'avoir davantage d'informations. Nous allons essayer d'y voir un peu plus près. Nous allons obtenir un dump de la heap. Un dump, c'est prendre le contenu de la heap et le sérialiser dans un fichier. Alors, comment obtenir un heap dump? Il y a différentes manières. Vous pouvez le faire en ligne de commande avec la commande jmap. Vous pouvez aussi le faire avec la commande jcmd depuis le JDK 8. Et depuis le JDK 9, vous avez une troisième possibilité, il faut utiliser la commande jhsdb. Vous pouvez aussi déclencher un heapdump à l'aide d'un heapbin du JDK. Paramètre P0 correspond au chemin du heapdump. Le paramètre P1
permet de dire s'il faut ou pas faire un full GC avant le heat dump. Dans VGM, il est vivement recommandé de rajouter le paramètre heat dump on out of memory error. Ce paramètre va permettre de déclencher un heat dump lorsqu'un out of memory error intervient. Ainsi, si vous avez un out of memory error en production, vous pouvez récupérer le heat dump pour investiguer ce qui s'est passé. Alors, comment analyser un heap dump? Ici, dans notre cas, nous allons utiliser le Memory Analyzer Tool, qui est un outil open source basé sur Eclipse RCP. Nous avons chargé notre heap dump dans le Memory Analyzer Tool. Cet outil propose un histogramme, comme la commande gmapisto. Nous retrouvons le nombre d'instances pour plusieurs types d'objets. Nous avons une colonne shell heap qui correspond à la colonne bytes de la commande gmapisto. Nous avons une colonne supplémentaire, la written heap. La written heap, c'est la taille d'un type d'objet plus la taille de tous les objets référencés par ce type d'objet. Avec James Control, vous pouvez demander ce qu'on appelle le Dominator Tree. Donc on va demander à l'outil de nous donner le Dominator Tree de toute la heap. Quand nous demandons le Dominator Tree, nous obtenons ce résultat. Il nous dit qu'il y a des instances de la classe calculateur moyenne mobile qui occupent 85% de la heap. Nous avons un objet métier. Nous pouvons voir que ces instances maintiennent en mémoire une concurrente HMAP que nous retrouvons dans notre code. Il s'agit d'une MAP statique. Sur la droite, vous avez le nom de cette MAP statique. Si on regarde un peu plus près, nous voyons que notre MAP, que la première entrée de notre map contient une copy unwrite array list. Cette structure donnée, si on regarde un peu plus près, maintient en mémoire plus d'un million de threads. Un million de threads. Ça veut dire qu'indirectement, nous avons une map statique qui maintient en mémoire plus d'un million de threads. Ça fait beaucoup. Vous avez d'autres fonctionnalités dans le Memory Analyzer Tool. Vous pouvez sélectionner la ligne de thread et faire un merge shortest path to GC route. Si vous exécutez cette commande, l'outil va essayer de trouver dans les heap dump les routes qui maintiennent en mémoire les objets threads. Si nous exécutons cette commande, nous voyons que nous avons un thread qui maintient en mémoire notre calculateur moyenne mobile et nous retrouvons notre constante. Par rapport au Dominator Tree, ici, nous n'avons pas une représentation sous forme de classe, mais vraiment sous forme d'objet. C'est pour cela que vous avez directement le nom de la constante
thread by instrument suite à l'exécution de la commande. Le Memory Analyzer Tool propose aussi de générer différents types de rapports. Par exemple, le leak report, vous avez aussi le top component. Ce sont des rapports HTML qui fournissent des analyses par défaut de votre heap. Ici, on nous dit, attention, il y a un problème. On a une classe calculateur moyenne mobile, dont une instance maintient en mémoire des tableaux d'objets. Vous avez d'autres pages HTML, vous pouvez aussi générer un rapport de top component qui va vous donner les composantes principales de l'heap. Sur l'autre droite, je vous ai représenté le répertoire du heap dump du Memory Analyzer Tool. Quand vous chargez la première fois le heap dump dans l'outil, il va vous générer des fichiers d'index. Il est conseillé d'augmenter la mémoire du Memory Analyzer Tool, d'utiliser le plus de mémoire possible sur votre machine du Memory Analyzer Tool. Vous pouvez le faire en augmentant la valeur du paramètre XMX contenu dans le fichier memoryanalyzer.ini. En mon expérience personnelle, sur une machine de 16 Go de RAM, le plus gros heap dump que j'ai réussi à analyser faisait 70 Go. Par contre, il y a un autre heap dump de 70 Go que je n'ai pas réussi à analyser, parce que le dump était trop complexe. Quand vous ne pouvez pas lancer l'analyse de votre machine, depuis votre machine, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez demander à l'outil de générer les fichiers d'index sur le serveur, dans lequel vous avez plus de CPU et plus de RAM. Pour cela, vous pouvez utiliser un parse-dump.bat.sh sur Linux. Une fois que vous avez généré les fichiers d'index, vous pouvez les récupérer sur votre poste et essayer de charger le fichier de dump plus les fichiers d'index. Si vous n'arrivez pas à le charger, ce que vous pouvez faire, c'est générer des rapports HTML comme le leak report avec le parse-dump.bat.sh. Dans la plupart des cas, ces rapports HTML vous donnent la cause de la grande occupation mémoire. Si ce n'est pas suffisant, il faut utiliser le Dominator Tree, le Merge Surface Path to GC Route. L'outil propose aussi un langage pour requêter votre heap. Alors, je vous ai présenté le Memory Analyzer Tool, mais vous pouvez utiliser d'autres outils comme JOverflow, qui est un plugin de Java Mission Control dont je reparlerai un peu plus tard. Il faut aussi charger votre dump dans JVisualVM. Ou sinon, si vous êtes habitué à YourKit ou JProfiler, vous pouvez utiliser ces outils. Ici, je vais faire une parenthèse sur JOverflow qui aurait pu nous permettre de voir que nous maintenons en mémoire 1 200 000 threads et qui propose une fonctionnalité intéressante. Dans JOverflow, vous avez un tableau sur votre droite. Si on zoome, ce tableau vous donne différents anti-patterns qui font que vous gâchez de la mémoire. Par exemple, vous avez des boss collections. Pour l'instant, en Java, les collections sont des collections sur des objets. Du coup, si vous avez des boss collections, il faut utiliser des collections spécialisées en employant des librairies comme Eclipse Collection ou Trouve. Vous avez des sparse small collections ou des sparse large collections.
l'outil peut vous indiquer que vous avez des collections qui ne sont pas bien remplies. Du coup, vous payez le coût de la structure donnée d'une collection qui a une taille importante. Vous avez aussi les duplicate strings. Ce sont des strings qui ont la même valeur. Alors, depuis l'update 20 du JDK 8, le J1, le Garbage Collector J1, propose une fonctionnalité pour enlever les doublons de strings. Alors, ces doublons ne concernent pas le pool de strings. C'est des strings qui sont en dehors du pool de strings. Pour activer la déduplication des strings, vous pouvez utiliser le paramètre UGC, UStringDeduplications, et vous pouvez aussi activer des statistiques sur la déduplication des strings. Dans le JDK 9, vous avez une compaction des strings qui est activée par défaut. Au lieu de stocker la valeur d'une string sous la forme d'un tableau de char, la valeur de la string va être stockée sous la forme d'un tableau de bytes. Vous pouvez désactiver cette compaction qui va vous permettre d'économiser de la mémoire, mais qui va aussi utiliser du CPU. Alors, pour résumer, nous avons évalué la performance en termes de mémoire de notre application en activant les logs du GC et en les analysant à l'aide d'un outil. Ensuite, nous avions regardé les objets présents dans l'IP en exécutant une ligne de commande. Nous n'avons pas trouvé pourquoi nous avons une telle occupation mémoire dans l'Allogen. Du coup, nous avons un heap dump et nous avions analysé le heap dump à l'aide du Memory Analyzer Tool. Et là, nous sommes aperçus qu'en fait, nous stockions tous les threads reçus en mémoire. Alors, pour faire notre calcul de moyenne mobile, en fait, il suffit de garder en mémoire wthread. Du coup, nous allons modifier notre code pour avoir en mémoire uniquement wthread maintenu. Si la taille de la fenêtre est atteinte, nous allons supprimer le thread le plus ancien. Maintenant, nous maintenons en mémoire wthread. On va remesurer la performance. On va relancer notre application, relancer la méthode consume. On va récupérer les logs du GC et on va les analyser avec notre outil d'analyseur des logs du GC. Alors, avant notre modification, nous avions un throughput de 13%. En maintenant en mémoire wthread, nous avons un throughput de 85%. C'est déjà nettement mieux, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Nous pouvons voir que plus 97% du temps de GC est relatif à des GC mineurs. On va essayer de comprendre comment diminuer la durée des GC mineurs. La présentation change de couleur pour marquer une nouvelle étape de notre enquête.